Les réactions sont reconnaissables par leur haut de carte bleu-noir et par leur symbole représentant une flèche courbant vers la gauche. Les réactions sont jouables par les vampires ou les alliés unlockés et seulement lors des minion phases des autres Medusella, car elles sont jouées en réponse aux actions des minions adverses. Les réactions ont comme rôle de répondre à une action en cours, c'est-à-dire de permettre à ces minions de s'en défendre. Par exemple, elles peuvent ajouter de l'intercept à un minion qui tente de bloquer, réduire la puissance d'un bleed ou encore le rediriger vers un autre Medusella, octroyer des voix ou encore déclencher tout autre effet désirable. Ces dernières peuvent être jouées à tout moment durant une action, mais pas durant les combats. Les effets de la réaction perdureront tout au long de l'action en cours tant que le bloqueur ne change pas. Parfois, le moment précis où une réaction doit être jouée est indiqué sur la carte. Un minion peut jouer autant de réactions qu'il le souhaite lors d'une même action, tant qu'il n'en joue pas deux du même nom et qu'il respecte la limite concernant l'intercept. Comme nous bénéficions immédiatement de ces effets, le coût d'une réaction sera payé immédiatement au moment de la jouer. Finalement, si une réaction indique qu'elle doit être mise en jeu, elle le sera à l'endroit approprié indiqué sur la carte. Si aucune indication ne vous ordonne de mettre la carte en jeu, elle se retrouvera dans la défausse après avoir appliqué ses effets.